De Julian Assange, vous avez beaucoup entendu parler, souvent en mal, mais lui-même, l'avez-vous entendu? En réalité, si vous n'avez pas suivi de près l'affaire Assange WikiLeaks, tout ce que vous croyez savoir sur cette affaire est probablement faux. Alors, découvrez avec ces 200 citations soigneusement choisies et introduites par Karen Sharp, une journaliste, écrivaine, éditrice qui vit à Paris, une pensée originale et prophétique, qui invite à nous interroger comment fonctionnent réellement gouvernements, multinationales, appareils militaires et presse. Car ce paradoxe nous est insupportable, non? Ceux qui révèlent les crimes vont en prison et ceux qui les ont commis restent impunis. En réalité, à travers le journaliste Assange, ces puissants veulent intimider et réduire au silence tous les lanceurs d'alerte dont nous avons tant besoin. En introduction du livre, Evo Morales, Raphaël Correa, Noam Chomsky, Jean Sicler, Nourrit Pelet, Emir Kusturica, Philippe Geluck, Aminata Traoré, Calixte Beyala, près de 200 personnalités appellent à lire ce livre, Julian Assange parle, pour le défendre en connaissance. Je les cite, le droit doit aussi s'appliquer aux puissants. S'ils ont commis des crimes, nous avons le droit de le savoir et ils devront rendre des comptes. Le combat pour Assange, c'est le combat pour notre droit à tous d'être correctement informés. Voilà. Informez-vous, informez autour de vous. Merci.